là, donc une arrivée un peu délicate, quoi, on va dire. Et là, vous êtes dans votre hôtel, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Ben écoutez, oui, parce que le fédérateur est pris très con, donc on a un étage, on est au quatrième étage d'un hôtel, et il n'y a vraiment que nous à cet étage-là, donc, et puis on a des agents de sécurité qui sont là à tout pour bloquer des éventuels passages. Donc en ce qui concerne ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et Yazid, juste une question par rapport au match hein, de samedi contre l'Égypte. Effectivement, vous ne le préparez pas dans des bonnes conditions. Comment vous allez le préparer justement ce match face à l'Égypte? Ben écoutez, nous, on va pas changer à nos habitudes. Hein. Donc, bon, déjà demain, il va falloir être vigilant à la sécurité parce que la veille du match, on s'entraîne sur le stade sur lequel on va discuter la rencontre. Donc, j'espère qu'il y aura des mesures de sécurité hyper performantes parce que bon, ça reste quand même encore fragile. Mais sinon, nous, dans notre approche du match, on va rester concentré et pas s'éparpiller parce que bon, ça peut être le danger. Donc, rester concentré sur notre sujet. Et puis ça ne peut que nous renforcer, nous, sur ce genre d'incident. Donc il va falloir être solidaire et batailler comme on l'a toujours fait depuis cette campagne. D'accord, très bien. Merci beaucoup Yazid Mansouri, capitaine de l'équipe d'Algérie, d'avoir réagi donc après cette attaque du bus algérien par des supporters égyptiens. Égypte-Algérie, match décisif pour la Coupe du Monde 2010. Ça sera à suivre samedi. Autre information, c'était hier soir hein, dans les rues d'Hanovre, 35 000 personnes ont défilé.